Amen. Amen. Restez debout, prenez vos Bibles. Hébreux 11. Nous lirons le verset 5 et le verset 6. Chaque fois que je médite Hébreux 11, je me rends compte qu'il y a des richesses incroyables. Amen. Amen. Je vous assure, il y a des richesses incroyables que le Seigneur a gardé dans cet unique chapitre. Ma prière est qu'il nous aide à écrire là-dessus un jour. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je reprends le verset 5 et le verset 6 d'Hébreux 11. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Amen. Reprenons nos places. Que le nom du Seigneur, je disais, soit glorifié ce matin. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est grâce au sang de Jésus que nous serons enlevés. La force du sang de Jésus se trouve dans la foi que nous y avons placée. C'est par la foi que nous serons nous aussi enlevés. Amen. Amen. Nous serons enlevés par le sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus. Et le sang de Jésus, nous y croyons. Par la foi. Et ce matin, j'aimerais dire, c'est par la foi qu'un jour, toi et moi, nous serons enlevés. Je dis que c'est par la foi que nous serons enlevés. Cette foi qui produit des œuvres et des œuvres qui sont dignes de la repentance. Nous avions parlé sur la foi d'Abel. En quoi consistait la foi d'Abel? Quel était le secret que l'on trouvait dans la foi d'Abel? Et ce matin, nous avions conclu la foi d'Abel en parlant sur les 15 miracles qui accompagnent celui qui paye ou qui donne ses offrandes. Au premier culte, nous étions arrêtés à 12, mais au deuxième culte de la dernière fois, nous sommes allés jusqu'à 15. Procurez-vous les CD du deuxième culte et vous aurez le reste. Amen. Enoch est connu comme un homme extraordinaire par la foi. Il est connu comme ce premier homme qui a été enlevé. Un peu comme ce précurseur de l'église qui sera enlevé. Parce que le plan du salut de Dieu pour l'humanité est entré en vigueur avant la première église du désert. L'église du désert, selon Actes 7,
cette église que Moïse conduisait en tant que pasteur. Parce que Moïse était le pasteur d'Israël. Je dis bien, Moïse était le pasteur d'Israël. Il était au-dessus du sacrificateur. Et il était le souverain sacrificateur par excellence. Alors lorsque Enoch a été enlevé, c'était avant même que Moïse ne soit. C'était avant même qu'Abraham, le père de la foi, n'existe. Parce que la foi n'a pas commencé avec Abraham. La foi a commencé avec Adam. Adam a cru en Dieu. Ève a cru en Dieu. Caïn a cru en Dieu. Abel a cru en Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Donc la foi n'a pas commencé avec Abraham. Mais les alliances par lesquels nous avons été sauvés, les promesses desquelles nous nous réclamons ont eu pour grand héritier Christ, qui a été à la fois l'héritier d'Adam, mais qui a été aussi l'héritier des grands-pères de la foi. Et nous, nous avons la foi, non pas parce que nous avons vu Abraham, non pas parce que nous avons cru en Noé, mais parce que nous avons cru en Christ. Amen. 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 C'est par la foi qu'Enoch a été déclaré agréable. Il y a trois phrases qui m'intéressent ici. La première chose, Enoch marcha avec Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il fut agréable à Dieu par le témoignage que le Seigneur rendit de lui. Mais autre chose, c'est que Enoch marcha avec Dieu d'abord par la foi. Bien-aimé, on ne marche pas avec Dieu en fonction de ce qu'on voit, mais on marche avec Dieu en fonction de ce qu'on ne voit pas, en fonction de notre espérance, en fonction de la foi que nous avons placée en lui. Le Seigneur Jésus lui-même a dit: heureux êtes-vous parce que vous avez cru sans avoir vu. Je répète, heureux êtes-vous parce que vous avez cru sans avoir vu. Celui qui croit sans avoir vu, cet homme a une grande foi. Mais celui qui voit avant de croire, il a la foi des preuves, qui est une foi inférieure à l'autre. Et heureux nous sommes lorsque nous avons cru avant d'avoir vu. Amen. Amen. J'ai essayé de parcourir la Bible pour voir dans quel contexte est-ce que le Seigneur, dans les Écritures, a pu déclarer un homme ou a pu déclarer des choses comme étant agréable à lui. Quel est le genre de personne, mais aussi quels sont les genres de choses qui ont conduit Dieu à déclarer que telle chose ou que telle personne lui était agréable. Amen. Amen. Je disais, quelles sont ces choses qui ont amené Dieu dans les Écritures à déclarer qu'un homme ou à déclarer qu'un objet pouvait lui être agréable. Amen. La première des choses, je l'ai trouvé dans l'Ancien Testament. La première fois que Dieu déclare un homme comme étant agréable en lui, en dehors des noms que nous sommes en train d'étudier, la première fois que le Seigneur insiste
sur la qualité agréable de quelque chose. C'était d'abord en rapport avec l'offrande et le sacrifice. Je répète, la première fois que Dieu déclare un homme, ou que Dieu déclare une chose comme étant agréable à lui, c'était en rapport avec l'offrande ou le sacrifice. C'est la première chose que Dieu déclare agréable. Parce que lorsque Dieu a créé toute chose, il a vu que ce qu'il avait fait était bien. C'était agréable. Mais il ne pouvait pas féliciter quelqu'un, étant donné que c'était son œuvre à lui. Donc ça ne pouvait qu'être bien fait. Mais quand Dieu commence à dire telle chose m'est agréable, il le dit d'abord en fonction de l'offrande. Comme pour dire que la première chose que Dieu déclare agréable, que Dieu déclare très bien pour lui, c'est d'abord la qualité des offrandes et la qualité des sacrifices que nous lui apportons. Amen. Vous serez surpris, mais j'ai lu la Bible. Il y a plus de 70 versets dans lesquels Dieu déclare que l'offrande est agréable. Il y a plus de 70 passages dans lesquels Dieu déclare que le sacrifice qu'on lui a apporté était agréable. Alors je me suis posé la question, mais comment Dieu, qui ne mange pas, peut-il avoir un regard particulier sur la qualité de l'offrande que nous amenons ou sur la qualité des sacrifices que nous consentons? Et quand j'ai lu le sacrifice et j'ai lu les offrandes, je me suis rendu compte que les offrandes que Dieu a agréées avaient trois particularités dans l'Ancien Testament. Je répète, les offrandes que Dieu a agréées avaient trois particularités dans l'Ancien Testament. La première caractéristique particulière de l'offrande de l'Ancien Testament que Dieu a agréée, vous allez remarquer cela, c'était l'offrande animale. Ça veut dire les animaux que l'on sacrifiait pour offrir à Dieu en versant de leur sang. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, pas seulement parce que c'était un animal, mais d'abord à cause de la qualité du cœur qu'il donnait. J'ai répété ça là-dessus. Amen. Donc la première catégorie d'offrande que Dieu a agréée, c'était l'offrande animale ou le sacrifice animal. Dieu a agréé cela comme étant quelque chose d'extraordinaire. En fait, l'offrande animale était d'abord l'offrande du cœur. Est-ce qu'on est avec moi? Je répète, l'offrande animale, dont la première a été agréée dans les Écritures, c'était d'abord l'offrande du cœur. La deuxième caractéristique de l'offrande que Dieu agrée, elle était faite de farine. Amen. Elle était faite de farine, mais sans le levain. Elle était faite de farine, mais sans le levain. Et cette offrande de farine était accompagnée de deux choses, de l'huile et du vin. Amen. Je reprends la première caractéristique de l'offrande que Dieu avait agréée, c'était l'offrande animale, l'offrande par laquelle on versait le sang. La deuxième catégorie de l'offrande que Dieu a agréée, amen, c'était l'offrande
avec la farine qui était toujours accompagnée de deux choses. Elle était accompagnée de l'huile et elle était accompagnée du vin. Et l'église dans le désert avec pasteur Moïse était une église dans laquelle les offrandes qu'on apportait à Dieu s'accompagnaient de l'huile et de vin. Et même les offrandes de Malachie que l'Éternel réclame devraient être accompagnées de l'huile et du vin. Et nous allons étudier ça prochainement. Pourquoi ces choses devraient accompagner la farine? Qu'est-ce que ces symbolismes veulent dire? Et comment on peut les comprendre aujourd'hui? Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Amen. Et la troisième caractéristique de l'offrande que Dieu a agréée, je répète, la troisième catégorie de l'offrande que Dieu a agréée devrait être brûlée. Ça veut dire une offrande qui devait ressortir une odeur. Comme si cette offrande sans odeur ne pouvait pas être agréée. Mais quand nous lisons les offrandes à odeur, sont des offrandes qui ont eu des choses extraordinaires dans la Bible. Elles ont calmé la colère de Dieu. Elles ont attiré la compassion du Seigneur. Elles ont attiré l'amour de Dieu. Elles ont appeler l'intervention divine. C'est pourquoi Dieu dit à plusieurs reprises dans les Écritures que lorsque tu m'offriras ton bétail, offre-moi aussi de la farine et là-dessus mets-y de l'huile, verse-y du vin afin que le tout puisse me donner une odeur agréable. Amen. Afin que ça me donne une odeur agréable. Parce qu'il est de ces offrandes qui n'ont pas d'odeur agréable. Toute offrande est une offrande. Mais toute offrande n'est pas agréée. Toute offrande est une offrande. Mais toute offrande n'a pas une bonne odeur. Lorsque nous lisons Lévitique 27, Kantos, vous allez même remarquer ceci. Dieu accepte la dîme. Peu importe d'où que ça vienne, Dieu accepte la dîme. Peu importe le travail qu'il a produit. Mais Dieu n'accepte pas l'offrande. Peu importe le travail. Donc, Dieu, pour accepter l'offrande, il a des exigences sur la qualité de la personne qui offre, mais aussi sur la qualité de ce qu'on offre. Je vais vous choquer ce matin. La prostituée peut payer sa dîme. C'est pourquoi la Bible dit que dans ton bétail, même lorsqu'il n'y aura que des animaux handicapés, tu payeras quand même ta dîme avec l'animal handicapé. Mais tu ne payeras pas l'offrande avec un animal qui a un défaut. Dans les offrandes, Dieu se montre très exigeant. Il se montre exigeant sur deux choses. Sur la qualité de celui qui offre, mais aussi sur la qualité de ce qu'on offre. L'offrande d'une prostituée ne peut pas être agréée par Dieu. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on offre, ça, à la différence de la dîme, la dîme s'impose à nous comme une obligation. Mais l'offrande se présente à nous comme un vœu du cœur. Comme un acte du cœur. Alors, une vie dans laquelle Dieu n'a pas la première part, Dieu n'agréera pas l'offrande de cette vie-là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Amen. Je répète, une vie dans laquelle Dieu n'a pas la première place, l'offrande de cette vie-là ne sera pas non plus agréable à Dieu. La valeur de l'offrande, c'est d'abord l'homme.
avant d'être l'objet. C'est pourquoi la Bible dit, vous m'apportez des offrandes, vous apportez des sacrifices, mais je ne prends pas plaisir à ces choses. Mais voici les offrandes auxquelles Dieu prend plaisir. C'est ce que la Bible dit. Et vous allez remarquer que quand Dieu commence à citer les offrandes auxquelles il prend plaisir, c'est d'abord en relation avec la qualité de la vie de l'homme. Si un narcotrafiquant vient à l'église, il donne $10 million. Nous allons acheter un endroit plus spacieux. Nous allons avoir une chaîne de télévision. On va voir beaucoup d'autres choses. Mais Dieu ne lui compte pas encore cette bénédiction. Dieu la garde en réserve. Parce qu'elle est l'offrande de l'impur. Elle est l'offrande de l'homme impie. Mais lorsqu'il se sera converti, son offrande deviendra agréable à Dieu. La loi de l'offrande est rétroactive. C'est pourquoi le roi David disait, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Mais personne n'a déjà dit, souviens-toi de mes dîmes. Le souvenir des offrandes est un souvenir important pour Dieu. Et Dieu peut chercher le souvenir d'une offrande là où il se cache. Parce que la qualité de ce qu'on offre a moins de valeur que la qualité de celui qui offre. Tu es plus important pour Dieu que ce que tu peux apporter. Nous ne pouvons pas vendre l'évangile aux plus riches. Mais nous apportons l'évangile pour créer la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce n'est pas le plus riche qui ira au ciel. Mais rassurez-vous que ce n'est pas le pauvre qui ira au ciel. Mais c'est celui qui a la foi au Fils de l'homme. C'est celui qui a une vie de sanctification. Celui-là est justifié. Et lorsqu'il est justifié, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour lui. L'absence de la condamnation place l'homme dans l'orbite de celui qui peut être accepté. Ce que tu as en main a moins de valeur que ce que tu as dans le cœur. Je répète, ce que tu as en main a moins de valeur que ce que tu as dans le cœur. Un jour, une jeune fille m'appelle. Elle me dit, je comprends que vous avez des problèmes d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, mets ta vie en ordre avec Dieu. Elle me dit, je vous parle d'argent. Je voudrais faire une grosse offrande. Je lui dis, je te parle de ton cœur. Je voudrais l'offrir comme une offrande à Dieu. Je lui dis, tu peux me donner beaucoup d'argent. Mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, et bien Dieu n'agrée pas ce que tu fais. Mais on n'ira pas au ciel. Parce qu'on a été des grands partenaires dans l'église. On n'ira pas au ciel. Parce qu'on a été des grands partenaires dans les églises. On n'ira pas au ciel parce qu'on a été des grands partenaires dans la production des Gédéons. On ira au ciel parce que nous avons eu une vie de qualité devant Dieu. C'est ça l'évangile de Christ et pas autre chose. L'évangile de Christ ne dit pas que le riche est plus important. L'évangile de Christ ne dit pas non plus que le pauvre est plus important. Mais l'évangile de Christ dit, l'homme qui croira sera sauvé. Et c'est celui qui sera sauvé dont l'offrande sera agréée. Parce que l'offrande peut amener l'homme à contracter une alliance avec Dieu. Bien aimé, ce que tu as en main que tu apportes à Dieu, ça doit refléter ce que tu as dans ton cœur. C'est pourquoi un homme qui aime vraiment Dieu et un homme en qui Dieu occupe une place de choix, il ne peut pas tergiverser.
dans ce qu'il doit apporter à Dieu. Si Dieu est tout pour moi, je lui donnerai ma vie. Ensuite, je lui donnerai tout ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, si Dieu est tout ce que j'ai, si Dieu c'est mon tout, si Dieu est le premier de ma vie, je lui donnerai ce que je suis. Mais là où j'ai déjà donné ce que je suis, je n'hésiterai pas à lui donner ce que j'ai. Bien aimé, le problème d'offrande qui se pose au milieu des enfants de Dieu est très révélateur de la qualité de notre conversion. Le Dieu auquel nous avons cru, c'est le Dieu auquel nous avons fait allégeance. Mais c'est également le Dieu duquel nous sommes tombés amoureux. Le Dieu auquel on peut dire, Seigneur, je t'aime plus que tout. Tu vaux pour moi plus que tout. Bien aimé, quand on aime, donner est facile. Mais quand on n'aime pas, on murmure. Il est facile d'offrir à quelqu'un qu'on aime. Mais il est difficile d'offrir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Je répète, il est facile d'offrir à quelqu'un qu'on aime. Mais il est difficile d'offrir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Un homme est capable de payer une rançon incroyable pour sauver la vie de son fils. Mais un homme ne payera pas n'importe quelle rançon pour sauver la vie de n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais le dire plus clairement. Nous aurions été dans un autre contexte. Il y a des gens qui auraient fait n'importe quoi pour que la guerre cesse à l'est. Mais pourquoi ils ne font pas n'importe quoi? Parce que les leurs ne sont pas dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que, comme disait un homme en Afrique, ceux qui dirigent l'Afrique, même pour des maux de tête, ils sont en Europe. Mais le jour où un de leurs enfants mourra ici, vous verrez que les choses changeront. Le problème, c'est lequel? On ne donne pas là où on n'aime pas, mais on donne là où on aime. Et donner est très facile lorsqu'on aime la personne à qui on donne. C'est pourquoi la chose que tout peuple cherche, ce sont des gens qui les aiment. Et c'est pourquoi Dieu a fait que l'amour demeure comme étant un besoin essentiel de l'homme. Tout homme aime qu'on lui dise qu'on l'aime. Vous ne pouvez pas savoir comment dire je t'aime ma soeur. Peut être très restaurateur. Comment dire, comment, combien dire à une soeur, à un frère, je t'aime. Peut être très restaurateur. Il y a des gens qui ne croient plus en eux-mêmes. Il est de ces personnes qui ont perdu confiance en leur être. Mais leur dire je t'aime peut leur donner de la force. Même Dieu aime qu'on lui dise qu'on l'aime. Imaginez que même Dieu exprime des carences d'amour. À telle enseigne qu'un jour il a dit arrêtez la musique au royaume afin que j'écoute la louange que ce peuple monte vers moi. Mais cette louange là n'étaient pas des instruments bien accordés, n'étaient pas des voix bien mixées, mais c'était d'abord des cœurs aimants. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je suis venu vous dire que si vous êtes capable d'aimer votre prochain comme vous-même, c'est alors que l'on saura que vous êtes de moi. Le Seigneur Jésus place l'amour comme étant la première valeur que l'homme porte. Bien aimé, un cœur qui est rempli d'amertume, un cœur qui est rempli de haine, c'est un cœur qui ne peut pas adorer Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? On peut bien chanter. On peut amener les autres dans la présence de Dieu. Mais soi-même n'est pas y aller. La force de la chorale, ce n'est pas les belles voix qui s'y trouvent, mais c'est d'abord les cœurs des personnes qui chantent.
fête. Quand la chorale est unie et qu'ils sont tous amoureux de Dieu, vous aurez les résultats. La présence de Dieu va couler facilement. Parce qu'elle nous amènera là où elle-même a été. Église de Jésus, est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc la valeur de ce que l'homme est, elle vaut plus que ce que l'homme a. Si sur terre les hommes chercheront à savoir qui vous êtes en fonction de ce que vous avez, et bien Dieu cherchera à savoir qui vous êtes en fonction de ce que vous êtes. La chose qui intéresse Dieu, ce ne sont pas les tralala que le monde regarde. Aujourd'hui, il y a bien de ministères sur les réseaux sociaux. Il y a bien des apôtres sur les réseaux sociaux. Il y a bien des prophètes sur les réseaux sociaux. Hier, un serviteur de Dieu m'a appelé. Il me dit, voilà, je suis en train de me marier. Mais je lui ai dit, mais moi je sais que tu es marié depuis longtemps. Il me dit, non, c'est maintenant que je veux me marier. J'ai dit, non, est-ce que tu ne penses pas que le langage serait, c'est maintenant que je vais régulariser? Il me dit, comment ça? J'ai dit, mais tu habites avec la femme. Vous faites tout ce qu'on fait en tant que marié. Donc vous êtes marié. Vrai ou faux? Je dis, vous êtes marié. Vous ne cherchez pas à vous marier. Mais vous cherchez à régulariser. La valeur de ce qu'on est est plus importante pour Dieu que ce qu'on a. Je répète, la valeur de ce qu'on est est plus importante que ce qu'on a. Nous ne sommes pas dans une église des superstars. Et Dieu n'est pas le Dieu des hommes fashion. Mais Dieu, c'est le Dieu des hommes du cœur. Certains péchés deviendront difficiles à commettre dès lors que nous tomberons réellement amoureux de Dieu. Certains péchés deviendront difficiles à commettre dès lors que nous deviendrons, que nous tomberons sérieusement amoureux de Dieu. Quand j'entends certaines histoires dans des églises où il y a des gens qui volent les offrandes, dans les églises où il y a des gens qui volent les dîmes, dans les églises où les leaders prennent les offrandes, vont avec dans des boîtes de nuit ou dans les hôtels avec les femmes, il n'y a pas à chercher une malédiction. Ils sont dedans. Dieu attache beaucoup de valeur à ce qui a été donné de tout son cœur. Et quand tu détournes l'offrande que quelqu'un a donnée de tout son cœur, tu es en train de détourner ce qui appartient à Dieu. Et si la sentinelle peut bloquer un voleur, imaginez Dieu, lui qui voit partout. Et j'aime bien, comme nous disait notre ancien pasteur de la Borne, le Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit la plus noire. Il est le Dieu des précisions. Pose la question à ton voisin. Quel est l'état de ton cœur? Non, pose-lui bien la question. Amen. C'est absurde aujourd'hui. Vous avez des gens dans les églises. Ils prient à même Dieu. Mais ils ne se parlent pas. Et ils s'appellent chrétiens. Vous avez des gens dans la même église. Ou même dans des églises différentes. Ils se disent chrétiens. Mais ils ne s'adressent pas la parole. Vous avez des gens aujourd'hui. Ils se disent chrétiens. Mais ils s'insultent. Avant-hier, on me parlait d'une église où deux sœurs se sont battues pour leur pasteur. Mais il est marié, le pasteur. Amen. Il y a des choses aberrantes que l'on trouve dans les églises aujourd'hui. Amen. Nous disons que nous prions. Mais celui qui n'a pas est moqué par ceux qui en ont. Nous disons que nous prions,
Mais celui qui a veut mater ceux qui n'ont pas. Nous disons que nous prions. Mais vous avez des gens qui sont haïs par des familles entières de chrétiens. Et quand nous chantons, tout le monde dit Narokende na Lola. Tant aux oyemba, tout le monde dit nous irons au ciel. On n'ira pas au ciel parce que on a bien parlé français. Hein. On n'ira pas au ciel parce qu'on a donné beaucoup d'offrandes. Mais on ira au ciel parce qu'on a été comme Christ. Et la valeur de notre couronne dépendra de la qualité de vie et des championnats que nous aurons remportés sur terre. Quelquefois, il faut dire aux vôtres. Si toi tu le détestes, moi je ne le déteste pas parce qu'il est mon frère. Appelle cela faiblesse. Du reste, dans l'église, nous ne sommes pas tous obligés d'être amis, mais nous sommes tous obligés de nous sentir frères et sœurs. Et ça, c'est une chose que nous devons rendre indestructible. N'oubliez jamais cela. La qualité de ce qu'on est compte plus que ce qu'on a. La qualité de l'homme qui s'approche devant Dieu vaut mieux que ce qu'il apporte chez Dieu. L'offrande que Christ apportera à son Père, ça ne sera pas le sang des boucs et des taureaux. Ça ne sera pas l'argent des offrandes, mais ça sera d'abord les cœurs des hommes qui ont cru en lui et qui sont demeurés fidèles jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, c'est ça être chrétien. Non, dis-le lui très bien, c'est ça être chrétien. Amen. Amen. J'ai aimé un jour, je lisais Facebook. Et j'étais en train de lire comme ça, je vois un jeune homme qui écrit Répentons-nous, le retour de Christ est proche. Alors je suis resté un peu calme, mais je connaissais bien le jeune homme. J'étais tenté de lui écrire. Commence. Nous on va suivre après. Amen. Ne soyez pas sages aux yeux des autres. Soyons des bons chrétiens. Je disais, soyons des bons chrétiens. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, dans l'église, vous trouviez encore des gens qui se justifient. Oui. Comment toi tu dis que tu es frère, mais tu vas toujours en boîte de nuit? Et puis tu as le toupet de dire oui, je suis jeune. J'ai dit à quelqu'un, Christ non plus n'était pas vieux. Mais on ne l'a pas vu dans ce genre de choses. Mais comment tu te dis que tu es chrétien? Mais tu es toujours derrière les jupons. Et quand les jupons ne te conviennent plus, tu cours derrière les bikinis. Et puis tu dis, je suis chrétien. Et quand on te fait la remarque, tu dis non. Je dois vivre ma jeunesse. On ne vit qu'une fois. J'ai répondu un jour à quelqu'un, on ne meurt aussi qu'une fois. Mais la Bible l'a ajouté. Après quoi vient le jugement? Amen. Donc on ne meurt pas qu'une fois seulement, mais on est aussi jugé une fois. Comme pour dire, au jugement dernier, il n'y aura pas de deuxième session. Il n'y aura pas de session unique. Il n'y aura pas de dérogation acceptée. Tu n'amèneras pas un papier justificatif de ta maladie. Frère, quand tu as péché, dis j'ai péché, Seigneur, pardon. Quand quelqu'un cherche à justifier son péché, il est plus proche de l'enfer que du ciel. Est-ce que l'église est avec moi? Tellement de choses que nous avons dans l'église aujourd'hui qui viennent en réalité du fait que nous avons une mauvaise qualité de conversion. Que des chrétiens malhonnêtes, aventuriers, escrocs, voleurs,
coureur de jupons, balanabas à ciment, menteur, batolokuta, fumeur de chanvre, bamelarabani. Que des chrétiens qui prennent des périantins et des valions mélangés avec du lotoko. Amen. Mais ça s'appelle chrétien. Ça vient me raconter une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Quelqu'un devait prêcher. Et il est allé boire. Il a bu 4 Saint-Poli. Vous connaissez Saint-Poli? Oui, Saint-Poli. C'est plus fort que Guinness. Et le qui Guinness la macasse. 4 Saint-Poli. Améliminé. Vous savez, le jour là, quand il prêche, Mokolatazote, les mamans sont excitées. Bah, maman, quand l'icolo, l'icolo. Même quand il dit Dieu est là. Amen! Amen! Nzokande. L'homme n'avait pas fermé sa braguette. Moutabo, ça dit qu'on a tiré dans le pantalon. Et non seulement qu'il n'avait pas fermé, ouais, mais il n'avait pas la culture d'autre chose. Après le culte, il va dormir. À son réveil, on lui montre les images. Sa femme dit, chérie, tu as prêché. Regarde un peu ça. Sans suspension. Sans être révoqué. Sans être chassé. L'homme Moutou prit sa retraite. Est-ce qu'on me comprend? Mais des fois, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Simplement parce que nous nous appelons chrétiens. Mais on ne fait pas ce qu'il faut pour être un chrétien. Frère, ce que tu es vaut pour Dieu plus que ce que tu as. Je répète, ce que tu es vaut pour Dieu plus que ce que tu as. Je connais un oncle à Jean-Marc. Il est pasteur. Un dimanche, il devait prêcher. Il n'est pas venu au culte. Il s'est parlé en langue. Alors madame prend les enfants, les amène à l'église. Au retour, le pasteur sort de son sommeil. Il dit à sa femme, chérie, on va au culte. Sa femme dit, mais le culte est passé. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il dit, mais tu étais en pleine adoration. L'homme dit, oh, Natalaki, pourcentage d'alcool, t'es na 20. J'avais pas regardé le pourcentage d'alcool sur le vin. Et Zalaki, Saint-Esprit, t'es quitté. C'était pas le Saint-Esprit, c'était l'ivresse. Amen. Et bien, Zalaki, Saint-Esprit, t'es quitté. C'était pas le Saint-Esprit, c'était l'ivresse. Ah bah bah bah. Du reste, vous allez remarquer que les chrétiens sont forts. Bon, moi, j'ai pas ma crise de ma casse. Les chrétiens qui parlent en langue quand ils dorment, une fois que tu bouges un peu, c'est rababa ya ba. Quand t'as ça, on n'insiste même que la pognim. Frère, hey, on a connu un frère comme ça. Devine de comment on pouvait. À chaque fois qu'on priait. Ouais, tout le monde est là. Il avait des capacités surhumaines. Ça veut dire qu'il pouvait dormir à genoux. Un jour, nous lui avons dit, ah! Comment t'as dit, ah! Bob, tu dors beaucoup, mon frère. Et ça, on avait démonté. Il était ma dimension. Pour lui, c'était des dimensions. Et nous sommes entendus. On a organisé une nuit de prière. 2 heures du matin. 2 heures. Le frère bien à genoux comme ça. Il a commencé à baver. C'est et on était calme. On s'est fait signe. Nous sommes allés prier dans une autre pièce. Maintenant, un moment, on entend. L'un d'entre nous dit, frère. Frère, Tolongwa qui a wakala. Il y a très longtemps qu'on a quitté cette pièce. Olalaki. Tu étais endormi. Et le même frère va nous tourner une scène incroyable. On est en train de prier. Nous sommes là. 5 heures du matin. 5 heures. Les premières lueurs du soleil apparaissent. Moi et comme Obima. Ça, c'était un ami au général Cantos. Allez, mon ami au général Cantos. Pour de vrai.
Il est en train de prier. Et puis il regarde par la fenêtre. Il voit qu'il commence à faire un peu jour. Regarde, il y avait des jolies sœurs. Il les regarde. Il s'est dit, on a bête avant prise de finition. Que je fasse une dernière chose. Il a dit, Seigneur. Kolo, oh, nous te bénissons. To pambolio, pour le matin de ce soir. Pour au lieu de s'arrêter là, comme si un cataclysme ne vient jamais seul. Il va ouvrir la même fenêtre. Alors là, c'était le spire. Il dit, Seigneur, non pas pour le matin de ce soir, mais pour le soir de ce matin. Le frère se retrouvait tout seul. Et pris de rire. Les frères s'en allèrent pour rire à l'extérieur. Et l'homme de Dieu fut blessé dans son cœur. Amen. Qui vous a dit que Dieu exauce plus le français? Même en lingala, Dieu entend. Aujourd'hui, même si ceux qui ne parlent pas anglais, non, des mots anglais dans leur prière. Bifouli. Fouli wana, ya foolish. Fouli wana, za raya. Foulou. Nazoron somo rababa. Ah ah. Oh, there is. Moi j'ai entendu qu'il y a there is, non, frère. Ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas toutes ces petites choses qui nous entourent, mais c'est la qualité du cœur que nous amenons devant Dieu. La chose qui a de la valeur, ce n'est pas de savoir qui donne plus, mais que celui qui donne plus donne avec son cœur. Quand le cœur donne et qu'il donne bien, et bien Dieu est content. Et si Dieu est ton Dieu, il est de ces choses que tu ne lui donneras plus jamais. Je dis bien, il est de ces offrandes que tu ne lui donneras plus jamais. Alors j'aimerais dire ce matin, si Dieu est Dieu, quelle est la qualité de ce que nous lui offrons? Quelle est la qualité de ce que nous lui amenons? La valeur d'une chose est d'abord défini par le cœur qu'il apporte devant Dieu. En réalité, c'est le cœur qui produit l'odeur. Et c'est l'odeur qui est agréable à Dieu. Quand ton cœur n'a pas agréé ton offrande, Dieu non plus ne l'agréera pas. Parce que Dieu agrée une offrande que lorsque ton cœur l'a brûlée. Est-ce que ton cœur ce matin va-t-il brûler l'offrande que tu apportes à Dieu? Est-ce que ce matin l'offrande que tu apportes à Dieu est-elle constituée de la meilleure partie de l'animal? Ou tu as apporté à Dieu un animal chétif et conséquent tu lui as même amené l'entrecôte en lingala kotis. Amen. Vous savez, des fois, quand on mange le mipanzi au Congo, c'est là qu'on se rend compte de la qualité hautement élevée de notre pauvreté. En réalité, on est en train de suivre des fibres qui relient deux os. Et la partie blanche là, c'est la partie à laquelle on réserve même le plus gros du foufou. Vrai ou faux? Et je connaissais même quelqu'un qui disait, et un autre qui disait, yondo tonda, bisoto tonda te. Un jour Dieu nous fera grâce. Et la qualité de vie de Congolais ne va pas évoluer que sur papier. Ça va aussi évoluer dans nos assiettes. Donnez-moi un amen bien. Kotis. C'est Kotis là, c'est français. Kotis. Menu pendant la poto. Bah comme ben Kotis. Hein? Ok, restaurant à Bruxelles, comme chez soi. On lié ben Kotis. Hein? Côte de porc, dans entre
leur entrecôte, tu leur côte des portes, tu leur rendais cotisse. Déjà pour ma carte, on va bambou ma casse, Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, maman Biti s'est bien retrouvée aujourd'hui. Amen. Amen. Et si on mange le cotisse? Ah, tu l'as à cotisse? Et on mange le Thompson. Thompson. Un jour, un frère m'a eu, il m'a dit, prophète, est-ce que tu sais que Thompson, c'est fabriqué dans une usine au Japon? Mais comment le Seigneur Thompson, parce que là, on a une usine au Japon. Je dis, comment c'est? Il me dit, mais je n'ai jamais mangé un poisson qui a ce goût-là. Dieu va nous aider, on y arrivera. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, on y arrivera au nom de Jésus. Simplement pour dire que toutes ces choses, c'est bien. Mais la seule chose demeure importante pour Dieu, c'est la qualité de nos cœurs. Commençons nos cœurs. Et qu'est-ce que nos cœurs ont décidé d'apporter à Dieu? Consentir un sacrifice n'est jamais facile. Mais consentir un sacrifice est facile lorsqu'on aime. Vous savez, on peut offrir à sa femme tout ce qu'elle veut. Généralement pour deux raisons. Soit parce qu'on l'aime, ou parce qu'on cherche à se racheter. Attention aux hommes. Il y a de ces hommes qui couvrent leurs femmes de bijoux. Non pas parce qu'elles l'aiment. Mais parce qu'il cherche à avoir lui-même une conscience tranquille par rapport à ce qu'il fait. Et le jour où la femme découvre ça, elle est remplie de haine. Mais un vrai homme, c'est celui qui offre des cadeaux parce qu'il aime cette femme. Même si elle te dira, tu n'as jamais rien fait pour moi. Ça, c'est la caractéristique universelle de l'être qu'on appelle femme. Amen. C'est la caractéristique. Tu peux lui offrir 10 valises de robes de soirée. Mais à la prochaine soirée, elle n'aura rien apporté. Même si tu te fâches, tu lui offriras quand même. Parce que tu l'aimes. Kanda. Bienvenue dans la cour des grands. Amen. Là où madame te dira, ouais, les 600 là. Moi, 600 ans, là ne donne pas à l'église. L'église. Moi, j'ai une robe, non? L'amba. Que je dois porter. L'amba, tu n'as pas appris que Sarah se marie? Ouais, Sarah Zobala. Amen. 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 Ça, c'est la caractéristique de la femme. Et quand une femme ne fait pas ça, elle n'est pas femme. Vous savez, la vérité, c'est que le jour où vous tombez sur une femme qui vous parle comme vous, et bien vous ne serez pas loin d'être un homosexuel. Vous avez besoin d'avoir une femme. Quelquefois, quand elle vous parle, à la fin, elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Parce qu'une femme est faite pour ne pas tout savoir. Mais apparemment, les frères sont contents. Ben, frère, c'est pas lui. Amen. Non, une femme doit savoir beaucoup de choses. Moi, c'est ça qui va me rappeler. Mais pas tout comprendre. Quand c'est la source, ça va me revenir sauter. Hein? Pas tout comprendre. Là, au moins, tu es d'accord, maman Adrienne. Alléluia. Alors ma prière ce matin est que Dieu nous aide à être des hommes parfaits, à être des hommes qui ont atteint une stature de l'homme mature, à être des hommes qui ont mûri avec Dieu, afin que nos cœurs soient la première chose que nous cherchions à régler devant Dieu avant la qualité de ce que nous lui apportons. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes en prière un moment.